Bonsoir, ce dimanche de Saint-Valentin s'est montré maussade sur la plupart des régions avec de nombreux nuages, des pluies, des averses et de la neige sur le relief. Et attention, la nuit prochaine, on attend des chutes de neige jusqu'en plaine sur la moitié est de la Belgique. C'est surtout la province de Liège qui sera la plus concernée avec une vigilance orange. On attend 3 à 7 cm sur les hauteurs, notamment vers les Hauts-de-Fagne. Soyez prudents si vous devez prendre le volant. Pour demain matin, on va donc retrouver ces chutes de neige jusqu'en plaine sur l'est de la Belgique. Soyez prudents sur un très large quart nord-est, quelques flocons également, mais anecdotique en pleine. Sur les premières hauteurs, ça pourrait éventuellement apporter un petit saupoudrage. Quelques giboulées également de la Normandie jusqu'au Pas-de-Calais, et puis des averses au pied des Pyrénées. Ailleurs, passage nuageux et éclairci. Pour l'après-midi, les nuages les plus nombreux vont se maintenir dans les régions du nord-est, avec quelques gouttes en pleine et quelques flocons sur les hauteurs. Des averses aussi de la Manche jusqu'à la mer du Nord, et puis des précipitations qui vont se bloquer au pied des Pyrénées. D'autres qui reviendront sur la Corse. Ailleurs, un ciel variable. Les températures de votre lundi matin, comprises entre 0 degré pour les Ardennes et déjà 7 degrés pour Perpignan. Et puis l'après-midi, on passe en dessous des normales de saison, légèrement en tout cas, 2 degrés pas plus pour Luxembourg, 5 à Bruxelles, 7 à Paris, 8 pour Grenoble et entre 11 et 15 près du bassin de la Grande Bleue. Passons à votre mardi avec un temps toujours nuageux des Pyrénées jusqu'aux frontières de l'Est, quelques flocons anecdotiques vers les reliefs, pour la Corse des averses et puis partout ailleurs un temps sec avec généralement un soleil généreux de la Gironde jusqu'à la Belgique. Et attention, Mistral et Tramontane souffleront fortement. Et côté température, on sera en dessous des normales de saison, de nombreuses gelées matinales et une vive fraîcheur l'après-midi. Pour mercredi, un temps sec et lumineux sur la plupart des régions avec de belles apparitions du soleil. Mais attention, en cours d'après-midi, une perturbation va revenir par la Bretagne et par le Cotentin avec de la pluie et du vent. Et les températures vont donc rester semblables à celles de la veille, toujours bien froides et hivernales, notamment le matin. Pour la suite, avec jeudi et vendredi, jeudi, une perturbation devrait parvenir à s'infiltrer sur notre territoire. Attention au contact avec l'air froid, on pourrait avoir éventuellement un peu de neige temporairement jusqu'en pleine, on en reparlera en détail demain. Pour vendredi, encore quelques averses et le retour de la pluie en fin de journée par les côtes de la Manche, température orientée à la hausse, et puis retour de la douceur pour samedi et pour dimanche prochain avec un flux d'ouest, de nombreux nuages, des pluies assez fréquentes, notamment sur les régions de la moitié nord, et donc des valeurs qui repasseront à des niveaux nettement plus printaniers. Demain, nous serons le lundi 15 février, nous fêtons les Claudes et nous gagnons 3 minutes de soleil. Je vous souhaite une très bonne soirée et on se donne rendez-vous demain soir à 21h. À demain.